Bonjour à tous et merci d'être là malgré le beau temps et malgré que ce soit un dimanche, surtout pour parler de lecture. Donc j'espère que vous avez tous amené un livre au cas où vous endormiez pendant ce que je vais vous dire, chose que vous savez déjà certainement beaucoup mieux que moi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, je me présente, Bénique de Buron-Brun, maître de conférence habilité à diriger des recherches à l'Université de Pau et des Pays de la Dour, et je suis professeure d'espagnol et non pas de français. Mais ne vous inquiétez pas non plus, je ne vais pas vous parler uniquement et très peu d'auteurs espagnols, et je remercie également des anciennes étudiantes qui sont revenues. Vous voyez, ça fait 30 ans que je suis à Pau, donc il y en a qui ne se lassent pas. C'est très réconfortant. Donc, je vais vous parler de la lecture, qui est pour moi peut-être la passion que l'on ne perd jamais, qui n'est jamais une passion malheureuse, alors que les autres passions peuvent et deviennent certainement malheureuses au fil des temps. Donc, nous allons commencer par certains concepts. La lecture, qu'est-ce que lire? Alors, il faut que je me fasse un peu à la technologie. Alors, si je prends le mot lecture ou lire dans le dictionnaire, je vais trouver comme première définition connaître les lettres et savoir les assembler en mots, c'est-à-dire en fait déchiffrer. C'est ce que l'on fait pour les enfants, toutes les méthodes que vous pouvez avoir à l'école pour apprendre à lire. Deuxième définition, prononcer à haute voix ce qui est écrit ou imprimé. Et ce fait de haute voix est très important parce qu'autrefois on ne lisait qu'à haute voix. Autrefois la lecture était le privilège de très peu de gens et on parlait à haute voix, on partageait avec les autres notre goût pour la lecture ou les informations. Et en fait, c'est la passion de la lecture, quand vous arrivez vraiment au bout de la passion, quand vous cheminez vers le climax, vous retrouvez ce goût de la haute voix qui est celui qui va vous faire pénétrer dans le texte véritablement. Et c'est là où vous allez avoir de la vraie littérature qui n'a rien à voir avec un best-seller, qui n'a rien à voir avec de la littérature de Kierkegaard, pour lequel j'ai beaucoup de respect, mais qui demande à être lu à certains moments. Mais ce n'est pas ça la grande littérature, et ce n'est surtout pas ça qui a fait ce qu'est la littérature française dans le monde aujourd'hui. Parce que ce qui est très important, c'est de voir combien les étrangers sont attachés à notre propre littérature française, alors que nous, Français, on ne s'y intéresse pas. On va s'intéresser beaucoup plus à ce que font les autres, et c'est très dommage. Sens figuré, pénétrer, interpréter, découvrir, deviner. Lire l'avenir, c'est deviner ce qui va se passer. Sens figuré qui, pour le moment, ne va pas nous intéresser. Donc, A et B correspondent en fait au premier degré de l'instruction, c'est-à-dire école maternelle, après tous les échelons, tandis que le C revient au degré supérieur. Après la maternelle, une fois que vous savez déchiffrer en syllabes ou en lettres les termes. Premier degré, bien sûr, lutte contre l'analphabétisme. L'analphabétisme qui est beaucoup, beaucoup plus fréquent qu'on ne croit. Pratique de la lecture. Lecture à haute voix, lecture en société. J'en ai dit un mot de suite, je reviendrai plus tard. Et qui, au fil du temps, est revenu à une lecture muette, une lecture en solitude, une lecture silencieuse. Pourquoi lire? Tout d'abord pour s'instruire, pour connaître l'autre et pour se connaître. Deuxièmement, pour le plaisir,
par goût, souvent, c'est ce qui nous anime le plus. Donc, vous pouvez avoir soit des lectures édifiantes, ce qu'on avait autrefois dans les lectures des saints, hein, qui étaient les seules lectures qu'on a données aux femmes. Vous pouvez avoir des lectures fastidieuses, souvent sont lectures fastidieuses, les lectures obligées, ce qu'on nous dit à l'école, il faut lire ceci, il faut lire cela, pour le bac j'ai 50 textes. Lectures que souvent, par immaturité, on retrouve 10 à 15 ans, 20 ans plus tard, et qu'on relit avec bonheur. Bonne, mauvaise lecture, selon la morale, selon l'éthique, selon l'âge, ce n'est pas une lecture pour toi, c'est une lecture pour toi. Qui est-ce qui met la barre? Les parents? L'école? On verra tout à l'heure l'interdit, qui est en fait ce qui est le plus attrayant pour les jeunes. Mais la lecture également, c'est la première leçon d'écriture. Si vous voulez écrire, il faut lire. Si vous voulez devenir écrivain, il faut se nourrir de lecture. Que lire? Vous n'avez que l'embarras du choix. La presse, que plus personne ne lit. Les journaux et périodiques, par contre, toute la presse people anime beaucoup de jeunes. Quand je vois que la presse people publie à plus de 500 000 exemplaires par semaine, donc il y a encore des gens qui lisent. Livres de cuisine, livres de bien-être, livres de bricolage, voyager, le tourisme, ça aussi, il y a énormément d'amateurs. Et ensuite, la littérature, qui contrairement à ce qu'on pense, n'est pas pour une élite. La littérature est ouverte à tout le monde, mais il faut y prendre goût. La jeunesse, vous avez à l'heure actuelle, depuis une vingtaine d'années, des publications pour enfants qui auraient fait rêver ma génération, les générations de mes parents, de mes grands-parents. Quand vous voyez la différence entre les lectures de Benjamin Rabier, Abbé Cassine, qui est écrit en tout petit, à ce qu'on a maintenant pour les enfants des livres magnifiques, merveilleux, avec des tirettes, écrits en gros avec des dessins fantastiques, on ne comprend pas qu'on ne lise pas davantage aux enfants. Et les enfants adorent qu'on leur raconte des histoires. Livres éducatifs, manuels scolaires, documentaires, albums illustrés, contes et légendes, qui ont fait notre bonheur, tout comme tout ce qui est la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, la comtesse de Ségur, les romans pour les jeunes, les livres-objets, les BD, tout cela classifié selon une tranche d'âge. Pour les adultes, que l'on considère à partir de 16 ans, j'ai mis les beaux livres, j'aurais pas dû les mettre en premier. Art, catalogue, exposition, mais surtout les BD, les mangas, ce qu'on appelle la graphic novel maintenant, qui est peut-être, pour moi, l'embryon de la lecture de la littérature pour les jeunes, parce qu'il y a de très très beaux albums de graphic novel. Vous pouvez lire Flaubert, vous pouvez lire Dumas, vous pouvez lire tous les grands classiques aujourd'hui. Mais je reviendrai sur cette notion qui, en fait, est une lecture dirigée, n'est plus une lecture individuelle, personnelle. Or, la lecture, c'est avant tout ma lecture, qui diffère très certainement de la vôtre. Livre d'aventure, roman d'aventure, essai, science-fiction, livre d'histoire, biographie, mémoire, livre policier, poésie, théâtre, vous n'avez que l'embarras du choix. Concurrence et initiation à la lecture. La concurrence, elle est rude. La télévision, l'ordinateur,
les tablettes, les portables, la peste au niveau de l'enseignement, les réseaux sociaux qui fait que d'analphabète, on passe à l'illettrisme, qui est autre chose, qui est je sais lire, mais je ne comprends pas parce que je n'ai pas eu accès à cette culture, soit parce que je me suis fermée, soit parce que je n'ai pas su ouvrir cette porte. Je dis oui, la peste. Pourquoi ? Parce que, je vous disais tout à l'heure, il y a 30 ans que je suis à l'université de Pau, et il y a encore 20 ans, quand je faisais une pause au bout de 2-3 heures de cours, maintenant vous faites une pause toutes les 45 minutes, hein, parce qu'autrement c'est invivable, j'avais des étudiants qui prenaient des livres. J'en avais même qui prenaient Arlequin, mais ça ne me gênait pas. Pourquoi ne pas lire des romans roses quand vous avez 18 ans, vous avez le droit de rêver. Ça, au moins, ils apprenaient à écrire, ils apprenaient la traduction, ils apprenaient des mots. Aujourd'hui, vous faites une pause au bout de 50 minutes, 55 minutes, quand vous arrivez à les garder en place. Ils ne vont même plus aux toilettes, ils ne vont pas fumer, ils ne vont pas chercher un café. Ils prennent le portable. Qui a pu m'appeler pendant 45 minutes et que j'ai raté ? Le drame. Nous aurons une future génération d'autistes, c'est ce que je leur dis. Ils me prennent pour une vieille schnock, mais je crois que j'aurai raison dans 10 ans. Bien, heureusement, il y a l'incitation à la lecture. L'incitation, elle vient grâce à l'école, elle vient ou elle devrait venir grâce à la famille qui devrait pousser à lire, qui devrait inciter à lire, qui devrait donner l'exemple de la lecture. Des médiathèques qui poussent partout et qui sont extraordinaires, des bibliothèques itinérantes. Cet été à Saint-Sébastien, même à la plage, ils ont ouvert une bibliothèque itinérante où vous pouviez retirer pour la journée des livres, des revues, ce que vous vouliez. C'est extraordinaire. Les boîtes de livres-échange que vous avez à Pau un peu partout, le Book Crossing, qui a commencé en 2001, hein, c'est ce qu'on appelait le livre voyageur, ça c'est extraordinaire. Moi j'ai des livres qui arrivaient de Madrid, en passant par Helsinki, et qui étaient revenus par Budapest. Ce sont des livres voyageurs. Non seulement vous lisez le livre, mais vous imaginez le périple qu'a connu ce livre. Qui l'a eu entre les mains ? Les cafés littéraires, même les hôtels où tous les gens oublient leurs livres ou les laissent parce qu'ils les ont lus, ont des bibliothèques. Et là aussi, qu'est-ce qu'on lit en Asie ? Vous trouvez des livres en français extraordinaires qui ne sont pas laissés par des Français, qui sont laissés par des Allemands, qui sont laissés par d'autres, des Belges, des Suisses. Ça vous donne une ouverture sur le monde. Et les ateliers d'écriture. Les ateliers d'écriture, avant d'être des ateliers d'écriture, sont des ateliers de lecture. Hein, je reviens toujours à ça. Pour écrire, il faut lire. Rentrée littéraire. En France, la rentrée littéraire est très importante, vous le savez, à force de médias. Rencontres culturelles, littéraires, comme celle-ci, qui est très agréable. Les prix littéraires, on est tous attachés pour les cadeaux de Noël, au prix Médicis, Renaudot, Goncourt, tout le monde attend et tout le monde lance son prix, hein, prix FNAC, prix des lycéens, c'est très bien. Critique littéraire, avec un bémol, critique littéraire. Quand vous avez été dupé par une critique littéraire, vous vous méfiez. Donc les critiques littéraires doivent être extrêmement objectives, sinon on perd des lecteurs. Avis de libraire, là aussi, il y a encore quelques libraires qui, heureusement, lisent les livres et conseillent les lecteurs. Émissions rares de télévision, émissions de radio, la radio où autrefois on écoutait des feuilletons et qui étaient extraordinaires également,
parce que vous étiez obligé d'apprendre à écouter et non pas à feuilleter. Lecture de texte qui revient très à la mode avec récital, récitation de poésie, avec réouverture sur le théâtre, apprendre à voir, lire le gestuel, écouter et percevoir l'émotion, les passions des auteurs. Les maisons d'édition, mais les maisons d'édition, attention, ce sont des arguments de vente. Publicité, marketing, couverture, bandeau publicitaire, regardez comme c'est magnifique, avec simplement magique. C'est un très bon livre. Auteur de renom, les gens achètent plus parce que c'est monsieur Intel ou madame Intel, et c'est people, celebrity. Je l'ai vu à la télévision, je l'ai vu en chair et en os. Est-ce intéressant ce qu'il dit, auteur de renom? Thème attrayant, thème à la mode. Critique positive, c'est bien, c'est bon, tu devrais le lire. Les conseils de la famille, les conseils des amis. Rencontre avec l'auteur également. Le lecteur, qui est le lecteur? Chacun d'entre nous. Lorsqu'on est enfant, le texte est un médiateur. Il rentre dans une pratique sociale. L'enfant ne sait pas encore déchiffrer. Mais l'enfant veut savoir. L'enfant est attentif. Il suffit d'aller voir une classe de maternelle où vous avez la maîtresse d'école. Excusez-moi, c'est un terme qui n'est plus employé. Mais c'était ça qui est face à des enfants dans un silence muet, avec des yeux qui s'ouvrent fascinants parce qu'on leur raconte que le loup, il parle. Et oui, pourquoi le loup ne parlerait pas? Pourquoi le petit chien ne parlerait pas? Puisque moi, je lui parle, il me répond. Ça, c'est là que vous devez vraiment avoir un rôle à jouer. L'enfant. L'enfant est demandeur. L'enfant, on ne s'en débarrasse pas comme une poupée devant une télévision ou devant une tablette. On lui parle, on lui raconte des histoires. Et l'enfant est tellement attentif que si par malheur, le soir, vous changez la fin du conte, il vous dit « Mais non, c'est pas vrai, c'est pas ça du tout ». Et il n'est pas content parce que vous avez changé la fin du conte. Et lui, il sait. Et il va vous le raconter. C'est là, c'est très important. Relation avec le père, relation avec la mère, relation avec les aînés qui racontent des histoires. Oui. Et ensuite, à l'école. Il n'y a pas de plus beau métier que d'être en maternelle, après ça devient l'enfer. Mais la maternelle, c'est là où vous les formez. Lecture à haute voix, c'est là que vous allez former l'enfant à l'émotion, au sens, à la perception, à la sonorité, au rythme, à la cadence. Qu'adulte, on va perdre parce qu'on lit vite, parce qu'on n'a pas le temps. On ne rentre plus dans le texte. C'est une étape, ce que je vous disais, décisive. Donner le goût de la lecture. Adolescent, le texte devient initiateur. C'est une pratique individuelle de la perception de la lecture à sa compréhension. C'est-à-dire que c'est un processus mémoriel. L'adolescent va reconnaître les collocations, les syntagmes, il va apprendre des expressions. Mais c'est un apport de connaissances, un apport cognitif. Il va apprendre, il va développer son intelligence. Il va éveiller sa curiosité, il va éveiller sa créativité,
Il va participer à l'imaginaire. Il va se mettre à la place des personnages et il va courir à l'aventure. Mais c'est également l'époque des expériences, des transgressions. Plus vous interdirez un livre, plus vous êtes sûr qu'il ira le lire derrière votre dos. C'est pour ça que c'est un âge également où il y a des bouleversements intérieurs. On s'aperçoit que le monde n'est pas tout lisse. On s'aperçoit que le cocon familial, il y a autre chose après. Et c'est à cet âge-là qu'on développe le goût pour tel ou tel genre littéraire. Il n'y a pas de petit genre ou de grand genre. La lecture à cet âge-là devient donc un acte mental et affectif complexe. Mais c'est à cet âge-là également que, selon sa pénétration du texte, selon son degré de culture, il va pouvoir percer dans la société. Et ça, c'est très important également. Et la lecture stimule l'esprit critique. On ne devient pas tous des moutons à dire oui, oui à tout. Il faut faire sa propre opinion. Il faut croiser les discours. Il faut croiser les expériences avant de dire « moi c'est ça » ou « moi c'est ça ». L'adulte. Savoir lire, je sais lire, oui, mais la lecture devient un décodage. C'est-à-dire que dans la lecture, je vais me recréer. En fait, la lecture va devenir ma propre écriture personnelle. Et ça aussi, c'est important. Type de lecture silencieuse, je vous en ai mis 10, j'aurais pu continuer, vous en avez certainement d'autres. Lecture superficielle, mondaine, pseudo-intellectuelle, un peu de vernis, ça fait bien dans les salons, ça fait bien, mais vous grattez un peu, et puis il n'y a plus rien derrière. Lecture professionnelle, oui, vous avez ne serait-ce que les éditeurs qui doivent lire lecture rapide. On repère les mots-clés, on repère pour savoir si ça tient la route, si on peut lire plus en profondeur. Professionnel, en diagonale, tout ce qui est métier administratif, hein, ou chez les avocats, les magistrats. Là aussi, vous avez énormément de lectures professionnelles, même chez les enseignants. Lecture fastidieuse, quand elle devient une obligation et que vous n'aimez pas ce que vous faites. Je dis souvent à mes étudiants, la vie, ce n'est pas gagner de l'argent. La vie, c'est trouver le métier où vous serez heureux. C'est-à-dire, faites ce que vous aimez ou aimez ce que vous faites. Et là, vous le verrez, le travail devient un plaisir. Lecture méditative, on ne lit pas de la poésie, on ne lit pas un essai philosophique comme on lit un roman d'aventure ou une BD à 3 heures du matin quand vous avez de l'insomnie. Lecture consolation, lecture thérapeutique, au sens propre, comme le fait Proust, le petit fascicule sur la lecture qui est une merveille, où l'enfant malade se réfugie dans la lecture pour oublier ses souffrances, mais également consolation. Il y en a d'autres avant vous qui sont passés par là où vous êtes en train de passer et qui peuvent vous sortir de la dépression, qui peuvent vous sortir de, disons, du silence ou de la misère du monde et de la tristesse. Lecture édifiante, oui, il y a beaucoup de lectures édifiantes. Hein. Les gens qui sauvent les autres, ce sont des lectures édifiantes. Des gens qui ont réalisé leur bonheur, ce sont des lectures édifiantes. Des gens qui ont tout abandonné pour se refaire ou pour vivre autre chose au chevet des autres, ce sont des lectures édifiantes.
Lecture distraction, nous en avons tous, selon notre point de vue personnel, selon ce que nous aimons. Lecture plaisir, lecture évasion. Je n'aime pas le moment qu'on est en train de vivre et je me réfugie sur un nuage. Pourquoi pas? C'est merveilleux d'aller à Bali sous les cocotiers et de rêver de mer bleue. Lecture découverte. Et là, il y a énormément traduction d'œuvres étrangères avec des codes culturels qui ne correspondent pas aux miens, avec des images différentes qui me prouvent qu'ailleurs, on ne pense pas comme en Europe. Prenez par exemple García Márquez. En Amérique latine, quand on lui disait « la lecture, vous écrivez, c'est magique », il disait « c'est absolument pas magique ». Tout ça, nous le vivons au quotidien, mais ce sont des codes différents. L'Europe, l'Asie, ça n'a rien à voir. L'Amérique latine, l'Amérique du Nord, ça n'a rien à voir. Et c'est extraordinaire et ça ouvre à la créativité. Lecture sonore, j'en reviens toujours à ma lecture sonore, celle que l'on doit redécouvrir, qui peut être un simple exercice de voix au théâtre, les plaidoiries des avocats, les hommes politiques, les syndicalistes qui savent parler en public, mais également comme thérapie pour travailler la voix, vocaliser, se faire comprendre. Et vous connaissez tous, bien sûr, le gueuloir de Flaubert qui parlait pour s'écouter après et voir si le rythme, la sonorité de sa phrase était en harmonie avec ses émotions et avec ce qu'il voulait que le public perçoit. Adulte, genre littéraire, des classiques à la littérature subversive. Vous pouvez, bien sûr, lire des pamphlets, lire de la pornographie, lire des livres érotiques, mais il y a également la littérature interdite. Il y a encore énormément de pays dans le monde où la censure existe, où les livres sont interdits. Moi-même, dans les années 70, j'ai passé nombre de livres interdits en Espagne. Et ça ne remonte pas à si loin. Hein. Ce besoin de pourquoi m'a-t-on interdit ce livre selon la société bien pensante. Les archétypes de lecteurs, quel lecteur êtes-vous? Lecteur ouvrage utile, vous n'aimez que les ouvrages techniques ou historiques, vous voulez apprendre quelque chose, vous voulez connaître les bibliographies. Moi je ne lis que les œuvres classiques. Lecteur. Lecteur résistant. Moi, je n'écoute pas A ou B. Je fais ma propre opinion. Je suis libre. Et la lecture vous offre cette liberté. Liberté de penser et liberté d'expression. Lecture, écriture sont toujours les deux pendants. Lecteur voyageur. Documentaire, imaginaire, s'évader du monde réel, prenez Don Quichotte ou prenez Emma Bovary. Vous pourriez également prendre Virginie Woolf et toute une panoplie d'écrivains. Lecteur admiratif, c'est, je pense, le stade où je suis, où je m'émeux devant la beauté, devant l'ingéniosité, devant les images que m'offre l'écrivain, qui arrive à me surprendre, parce que si tout le monde écrit de la même façon, je m'ennuie. Lecteur curieux, soif de connaissances, s'ouvrir à l'autre, échanger avec l'autre. Lecteur révélateur, en fait, dans l'autre, je me découvre, je suis moi, c'est moi l'auteur, parce qu'en fait, on m'a donné une piste que j'ai recréée. Lecteur obsessionnel, vous pouvez lire l'annuaire du téléphone si vous voulez, lire tout et n'importe quoi, il y en a, vous pouvez aller voir sur les réseaux, aller sur Internet et vous verrez qu'il y a des lecteurs
compulsif, obsessionnel. Lecteur passionnel, ceux qui relisent à longueur de temps les grands classiques, les livres qui les ont passionnés étant enfants ou étant un peu plus âgés. Et mais vous avez également le non-lecteur, celui qui ne lit jamais. Alors bien sûr, il y a toujours des excuses. Bon, s'il est analphabète, oh. Mais il n'aime pas la lecture, ou alors il dit « je n'ai pas le temps ». C'est une perte de temps. Le temps, c'est de l'argent, donc je ne peux pas lire. D'après Borges, que vous connaissez certainement, la littérature diffère moins par le texte, c'est-à-dire d'une littérature à l'autre, que par sa lecture. C'est-à-dire que chaque texte apporte une infinité de lectures selon chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que nombre de livres qui sont mis au cinéma, qui sont mis à la télévision et qui vous offrent la lecture du cinéaste, du réalisateur, ne nous convient pas parce que ce n'est pas notre lecture. Et là, on trouve ça très décevant. Parfois, il faut mieux voir un film et lire le livre après que le contraire. Enfin, entre le lecteur et l'auteur, le texte agit comme un miroir. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Hein, c'est vous qui vous reflétez. Psychologie du lecteur. Le lecteur, c'est chacun d'entre nous avec notre propre personnalité, avec les circonstances dans lesquelles on vit, l'époque, l'espace, les us et coutumes, l'éducation que vous avez reçue, etc. L'humeur du moment, il est sûr qu'à 3 heures du matin, quand j'ai fait 7 heures de cours, je n'ai pas du tout envie de me mettre à un essai philosophique. Et les intentions. Est-ce que je veux savoir? Est-ce que je veux me distraire? Est-ce que je veux rêver? Ou est-ce que je veux m'endormir? L'écrivain. L'écrivain, il y a deux choses à retenir. Il n'existe qu'en fonction des lecteurs. Sans nous, il n'a pas besoin d'écrire. Il écrit pour être lu, même quand il écrit un journal intime. C'est un leurre. Et pour ceux, il se nourrit de lecture. Séduction. J'en viens à ce qu'est la séduction. Définition. Attrait qui a quelque chose d'irrésistible. Mais attention, n'oublions pas le premier sens de séduire. Faire tomber en erreur ou en faute. En droit pénal, vous avez par exemple ce qu'on appelle le rapt de séduction, quand un monsieur séduit une mineure. Et comment il la séduit? Peut-être aussi par la lecture, par des poèmes, par des billets doux, par des livres. Entraîne des actes contraires à la vertu. Suborner, tout ça, ça veut dire séduire. Alors comment séduit-il? L'écrivain a un aura. Il est écrivain, il a réussi, il a publié. Donc c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est arrivé à ses fins. Donc je dois le lire. Pouvoir de l'écriture. Je vous disais, billet doux, une façon de draguer. Je vois certains étudiants, « Ah, t'as pas lu ce livre, c'est très intéressant, tu devrais le lire, je te le prête. » Mais c'est aussi, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à la possession. C'est ce qui s'est passé avec Félice Boer et Kafka. Félice Boer n'était qu'une lectrice de Kafka. Pendant 3 mois, elle lui a envoyé des lettres, s'intéressant à ce qu'il écrivait. Et puis Kafka, un jour, lui a envoyé un poème chinois. Et ce poème a été un appât. Elle ne l'a plus jamais quitté. Elle avait été séduite pour aller jusqu'à la fascination, puis jusqu'à la passion. Mais attention, à ce stade, la fidélité
l'attachement du lecteur à l'écrivain est encore fragile. Ce premier livre m'a plu, mais le deuxième et le troisième. Fascination. Définition. Charme, attrait irrésistible qui enchaîne la volonté. Espèce d'égarement, d'éblouissement, produit par une impression qui agit vivement sur nous. Vive influence, profonde impression exercée sur quelqu'un ou subie par quelqu'un. Enchantement, ensorcellement, envoûtement, magnétisme, hypnotisme. Si je suis fascinée, je ne suis plus maître de moi-même. Et là, ça va très loin, le pouvoir de l'écriture. C'est-à-dire que je vais trouver dans mes lectures mon héros ou mes héros. Zéro, héros. Maintenant, on a le droit de dire les deux. C'est le cas de Ernesto Guevara, le Che, qui avait trouvé la façon dont il voulait mourir dans le personnage de Jack London, To Build a Fire, une nouvelle, qui fait partie de son livre The Call of the Wild. Modèle pour mourir. L'auteur devient un maître, devient mon maître. C'est également ce qui se passe dans l'écriture, où l'écrivain se nourrit de ses maîtres, et au départ, il va y avoir un mimétisme. Je ne parlerai pas de plagiat, même s'il y en a au départ, mais il y a copie, il y a imitation du maître. Mais également, l'auteur me justifie. Il justifie ce que je suis parce que je me retrouve en lui, je me retrouve dans son œuvre. C'est une âme sœur pour moi. Et là, une fois fasciné, la fidélité et l'attachement est à toute épreuve. Passion au pluriel et passion au singulier. Définition, et je vous ai donné deux définitions que l'on verra après et qui sont très intéressantes. Bien sûr, il y a une évolution du terme. Comme vous savez tous, passion vient de pathos en grec, qui veut dire maladie, qui ensuite est passé par le latin passio, souffrir, pâtir. Dans nos sociétés chrétiennes, la passion renvoie bien sûr à la passion du Christ avec un P majuscule. Et pour saint Augustin, les passions étaient une maladie de l'âme. Entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, la définition est la suivante. État ou phénomène affectif, agitation de l'âme, affectivité violente qui nuit au jugement, ardeur, enthousiasme, emportement, fougue, véhémence, affect, affection, émotion, sentiment. Et je vous renvoie bien sûr au traité des passions de Descartes, où il y a, chez Descartes, vous avez six passions, la haine, la violence, l'amour, mais chez Bossuet, vous en avez 11, toutes autour de l'amour. La séduction en fait partie. Mais un siècle auparavant, au XIIe siècle, puis on va revenir au XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, le sens va changer. Il devient, et c'est là où vous avez deux définitions très importantes. En 1898, dans le dictionnaire illustré de la langue française, Auger le définit ainsi. Sentiment ou désir perverti ou porté à leur plus haut degré d'intensité. Perverti ou exagéré. Le même terme, un siècle plus tard, dans le dictionnaire culturel d'Alain Rey, va devenir état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie de l'esprit par l'intensité de ses effets ou par la stabilité et la permanence de son action. Il y a déjà, on a lissé le terme. Le terme n'est plus
aussi, j'allais dire, passionnel. Il est maîtrisé. Dans l'amour courtois, il s'agit bien sûr d'un amour puissant, exclusif et obsédant. Exclusif et obsédant, on va le retrouver. Comme on l'a vu, en fait, il va y avoir, selon les mouvements, une valorisation de ces passions et une condamnation de ces passions. Ou plus nuancé, par exemple, chez Aristote, qui verra du pour et du contre. Qui valorise ? Hume, bien sûr, philosophe, Stendhal, écrivain, Matisse, peintre. Je vous ai mis trois noms de trois domaines différents. Condamnation, les stoïciens, bien sûr, la sagesse stoïcienne ne fait pas bon ménage avec les passions. Aristote, je vous ai dit, est entre les deux. Donc, il va y avoir toute une liste d'expressions. Suivre, n'écouter que ses passions, obéir, résister, commander à ses passions, assouvir, satisfaire ses passions, calmer, réfréner, contenir, maîtriser, dominer, vaincre ses passions. Les passions peuvent être vives, irrépressibles, mais également salutaires, nobles, généreuses. Et il peut y avoir une passion malheureuse ou une passion dévorante. Comme disait Diderot, il n'y a que les passions et les grandes passions qui puissent élever l'âme aux grandes choses. Sans passion, il n'y a pas de moteur à notre vie. Hegel, que vous connaissez également, « Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion ». Vous pouvez reprendre le romantisme au XIXe, il a le même discours, et Nietzsche qui combat l'ascétisme chrétien, qui lui réfrène les passions. Passion contre raison. Platon déjà en parlait. Passion folie contre la sagesse des stoïciens, d'où éradication des attachements, où Spinoza, au XVIIe, lui, prônera la compréhension des attachements pour mieux les maîtriser. Mais il y a également un autre sens à passion en littérature. Ensemble des moyens que l'orateur emploie pour faire passer dans l'âme de ses auditeurs ses propres sentiments. Et ça, c'est ce qu'on appelle soit le pathétique pour les passions véhémentes, soit l'éthique pour les passions douces et tendres. Je vous ai mis comme exemple le théâtre, parce que c'est au théâtre, quand il y a une déclamation, que l'on ressent le mieux ses passions. Évolution du sens très important jusqu'au philosophe Alain qui dira « L'état de passion surmonté se nomme sentiment ». Bien, passion et lecture, un mariage de raison, oui ou non ? Y a-t-il un équilibre entre la lecture, puis-je être passionné jusqu'à basculer dans l'obsession ? Puis-je perdre cette passion pour la lecture ? L'équilibre est-il possible ? C'est à chacun d'entre nous de répondre. Est-ce que vous êtes un lecteur compulsif ? Est-ce que vous êtes un non-lecteur ? Votre lecture est-elle passionnante parce qu'on vous avait dit que ce livre est passionnant ou est-elle passionnelle parce que vous avez repris pour vous, recréé les passions que l'auteur voulait vous faire pénétrer. Passion et addiction. Et je vous encourage vivement à lire, je vous donnerai à la fin en bibliographie, un article d'un collègue, Pascal Nouvel, qui est en fait un philosophe, professeur de philosophie à l'Université de Montpellier, et qui a fait des études de biologie.
et qui démontre parfaitement que la passion et l'addiction n'ont pas la même nature. Mais aujourd'hui, nous avons, les mots sont galvaudés, c'est-à-dire que les gens vont employer le terme d'addiction, d'abord parce que c'est un anglicisme et que ça fait joli, mais une addiction est toujours quelque chose de toxique. Or, la lecture ne peut pas être toxique, sauf si elle est imposée. Lecture obsessionnelle. Obsession pour l'auteur. Vous savez que vous avez nombre d'écrivains qui non seulement sont suivis par les paparazzi, mais qui reçoivent des tonnes et des tonnes de lettres d'amour et qui doivent fuir. Exclusivité. Je ne lis que cet auteur parce que c'est mon auteur. La passion invite à la solitude, au repli, à l'isolement, à la rupture avec la société. Vous le croyez vraiment? Vous croyez qu'un lecteur est totalement marginalisé parce qu'il se réfugie dans la lecture, parce que le monde autour de lui ne lui plaît pas? Je crois qu'il est vite remis à la liberté et à la réalité du contexte, parce qu'il ne pourra jamais lire 24 heures sur 24. Un phénomène qui est très intéressant, et là aussi, vous avez deux livres absolument à lire, un en anglais, l'autre en espagnol, qui est sorti, sur ce qu'on appelle la bibliokleptomanie. C'était passionnant. Je ne savais pas que les gens volaient autant de livres. Et parmi les écrivains, il y en a qui se vantent après que, eh bien, ils passaient des marchés, faisaient des paris entre copains. Dans cette rue, il y a 10 librairies à Londres. Je te promets que j'ai les 8 tomes de Proust avant d'arriver au bout de la rue. Une fois écrivain, ils se disent que les droits d'auteur ont bien diminué et que ce n'était peut-être pas la meilleure idée. Amateurs et voleurs de livres, oui. Pourquoi? D'abord, pour le pouvoir de l'argent, c'est-à-dire que c'est un marché. Il y a nombre de bibliothèques qui se sont vues dévaliser leurs cartes du 15e, 16e siècle, que l'on revendait encadrées, etc., des fortunes. On les découpait avec une simple lame de rasoir. C'est une pathologie également. Vous avez des bibliokleptomanes qui, en fait, ne veulent pas lire, mais qui amassent. Ils amassent pourquoi? Selon eux, par amour des livres, pour les sauver, parce que les gens aujourd'hui ne lisent plus, parce que c'est dans une bibliothèque sous la poussière, personne n'en veut. Mais également, vous avez les bibliophiles qui ne sont pas des lecteurs. Les bibliophiles sont des collectionneurs. Et les bibliophiles aiment les beaux livres, aiment les belles couvertures, les beaux livres en cuir, les incunables. Et il me reste, question de temps, que j'ai déjà dépassé, heureusement qu'ils sont gentils, avons-nous le temps de lire? Prenons-nous le temps de lire? Je crois que j'ai une période où j'amasse pour la retraite, mais je ne crois pas que j'aurai le temps de lire tout ce qui va sortir encore et tout ce que j'ai déjà et que je n'ai pas eu le temps de lire. C'est une question de temps, même si, avec l'âge, on devient un peu insomniaque, ce qui est parfait. Et je terminerai par ma petite conclusion, parce qu'on ne peut pas terminer sans une note quand même ironique, que je laisserai aux soins du grand poète irlandais Oscar Wilde, qui lui a eu la bonne idée de dire « Une grande passion est le privilège des gens qui n'ont rien à faire ». Et je vous remercie.